dire que la Genèse a été des bœufs, des trucs. Non, commençons par les volets, commençons par ce qui est facile. Mais je suis revenu, ce qui est important pour qu'un Gabonais puisse s'installer, il faut qu'il y ait des terres. Une commission en vérité et reconciliation. C'est une commission d'affaires non politiques. Il y a des zones périphériques où on peut pays a mettre à disposition 1993. Et à chaque élection, 93, 98, 2005, 2009, 2016, mon service, à chaque élection, on a connu des lendemains tumultueux. Il y a eu toujours des morts, le sang toujours coulé, il y a eu des victimes. Et malheureusement, toutes les victimes ou les familles de ces victimes n'ont jamais été indemnisées. Je pense qu'il est grand temps pour le pays et tous les acteurs politiques. Et ça, je m'en réjouis. Parce que je note que beaucoup de banques, beaucoup de candidats ont récupéré mon idée de commission de réconciliation. Ils ont certainement mesuré l'importance de nous réconcilier, l'importance d'apaiser les esprits. Qu'est-ce qui nous manque encore? Cette commission véritable est importante pour indemniser les victimes. Ça, c'est sûr. Mais de l'autre côté aussi, nous avons. Chez nous, nous connaissons la catégorie. On s'est planté dans les villages. Il est grand temps que cette catégorie, qui a été favorisée, ramène. Vous ne pouvez pas faire de culture sans élevage. Vous ne pouvez pas faire d'élevage sans agriculture. Donc, de toute manière, il faut des compléments. Redresser le pays. Et nous allons donner cette formation. À des dizaines donc, de milliers, il fallait expliquer aux gens l'importance de cette commission d'affaires. De l'autre côté, je vais rappeler que nous sommes un pays riche, tellement riche, que les gens viennent du monde entier pour venir faire des choses. Malheureusement, nous, Gabonais, nous n'en profitons pas. Du moins, 90% de la population vit dans la pauvreté. Et cette pauvreté est devenue tellement endémique qu'elle est même brûlée. Quand vous voulez prendre, quelles sont les difficultés? Et à cet effet, je vais proposer, si je suis élu président, de relever les allocations familiales qui sont à 8 000 francs aujourd'hui à 25 000 francs par mois. Je dois rappeler à 8 000 francs par trimestre, c'est-à-dire 2 000 francs par mois. De racheter toutes les productions des Gabonais. À 25 000 francs. Ce que nous demandons aux jeunes Gabonais, c'est de produire. Dès qu'ils produisent, l'État va acheter. De l'autre côté, j'ai ajouté que pour les chefs de famille, nous ne voulons pas que ce soit les fonctionnaires qui vendent. Nous voulons je mettrai une allocation de soutien. Jeunes Gabonais, de jeunes Gabonais qui se lèvent, moi je veux faire le commerce. Les autres, le commerce, moi aussi je veux faire le commerce. Pour les personnes nous allons affecter les marchés, toutes les zones de marché. Et chaque Gabonais, chaque jeune qui veut faire le commerce, puis avant, vendre la production du Gabonais. Ils auront aussi 50 000. Okay. Mais quand vous regardez cette enveloppe, moi, les non, c'est que les Gabonais eux-mêmes se prennent en charge. Mais nous allons mettre une terre à disposition. Si dans une famille, il y a une famille qui a trois enfants, on passera par 500 000 francs. Plus qu'on aura revenu de la chef de famille, ça montera, comme on dit, à 500 000 francs. Si cette personne garde une personne du troisième âge, ça montera, comme on dit, à 200 000 francs. Les économistes libéraux vont vous dire oui, mais. Si vous produisez au Gabon, ça va être cher. Le PIB par habitant au Gabon, on produit au Gabon. La Banque mondiale, on a du pétrole et le pétrole va permettre de tout régler. De 5 millions de francs CFA par an. Nous disons OK. Donc, donner 50 000 francs, donc 1% mettons de ces 5 millions de francs. Le régime de Badagne à 3 000 francs. C'est rien. L'État fixe et c'est faisable. Pourquoi okay. Et il sera je vais expliquer qu'aujourd'hui, nous avons, comme on dit, près de 1 500 milliards de remboursements pour l'année 2023. Même si et c'est comme ça, et ça sera comme ça encore durant plusieurs années. Donc moi, élu président, chacun puisse je demanderai un moratoire de deux ans. Le moratoire, ça coûte plus. Une jeune dame pourra faire du commerce. Okay. Un temps où je ne vais pas payer, comme on dit, la dette, où je ne vais pas rembourser la dette. Le temps de voir clair sur son volume et sa valeur. J'aurai donc entre les mains 1 500 milliards qui me permettront de financer les allocations familiales, de financer, comme on dit, les aides de soutien aux mères de famille, aux chefs de famille, de financer l'aide aux personnes du troisième âge et de financer aussi les jeunes qui sont au chômage. Donc, c'est faisable. Mais à côté de ça, j'ai rappelé que nous avons un budget de 3 600 milliards. Okay. Personnellement, donc, je pense qu'il y a une niche budgétaire pour les chats. Parce qu'il est anormal qu'un pays riche comme le Gabon, qui est considéré comme aussi riche que la RDC, mais avec ceci de particulier que nous avons l'avantage d'être peu nombreux, nous n'avons que 2 millions, donc nous sommes plus de 60 millions. Comment
ce fait-il que nous ne pouvons avoir qu'un budget de 3 600 milliards. Donc, cette niche budgétaire-là qui nous échappe, celui qui va se lever à 10 heures du matin pour je mettrai la main dessus. Et celle qui va se lever à 6 heures du matin et qui travaillera jusqu'à 18 heures, voilà ce que je voulais rappeler aux gens. Et surtout leur dire, de ne pas trembler, de ne pas se distraire, de donc, faire le bon choix. Nous sommes 19 candidats, mais à l'issue, quel que soit le candidat que vous choisirez parmi ces candidats, le gardons toujours. Parce qu'aucun de ces candidats ne pourra avoir de député à l'Assemblée nationale. Regardez, et donc, ces candidats seront dus d'organiser les nouvelles élections législatives et même locales. Donc, si les gens veulent réellement le changement dans ce pays, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de ne pas regarder les candidats du PDG, ni les députés du PDG, ni les élus locaux du PDG, mais de regarder tout simplement le candidat à la présidence de la République. Je prends jamais autant sur moi, mais même si ce n'est pas moi, je le redis. Quel que soit le candidat qui sera élu par les Gabonais parmi les 18 restants, le pays changera et nous aurons des nouvelles élections. Voilà ce que j'ai dit à ces populations pour les sensibiliser et les mettre, comme on dit, prêts pour ceux qui se mettent prêts pour la bataille. Merci. Le kilo d'avocat par